Voilà déjà plus d'un an que les personnages d'Un si grand soleil font la pluie et le beau temps des avant-soirées de France 2. Chaque soir, les familles Estrella, Bastide, Salama ou encore Lévi passionnent une moyenne de 3,5 millions de téléspectateurs, calculé sur la saison de lancée en septembre dernier, soit 16,5% de part de marché sur l'ensemble du public. Au casting, les téléspectateurs retrouvent l'héroïne Mélanie Modran, qui donne la réplique à Gary Guenner, Christelle Labaud, Emma Colberti, Valérie Caprisky ou encore Tonia Kinzinger et Aurore Delplace. En couple à la ville, Jérémy Bansté et Marie-Gaëlle Kahl figurent eux aussi au casting d'Un si grand soleil. Le premier incarne le personnage de Julien Bastide, tandis que la seconde campe le rôle de Cécile Alphand. Leurs deux personnages vivent dans deux familles diamétralement opposées, et ne se sont côtoyés qu'à de très rares reprises en 18 mois. Des scènes infinitésimales, que Jérémy Bansté aimerait voir se multiplier dans les mois à venir comme il l'a révélé à Midi Libre, « On ne tourne pas assez ensemble à mon goût » a-t-il regretté. Si est-il bizarre de ne pas travailler ensemble dans la série, Jérémy Bansté donne essentiellement la reprise à Maëlle Mieton, qui joue son épouse. Marie-Gaëlle Kahl, quant à elle, incarne une juge d'instruction. Pour l'heure, les deux époux, en couple à la ville depuis 13 ans, n'ont partagé qu'une seule scène, laquelle a d'ailleurs beaucoup fait rire l'interprète de Julien. Il est passé dans le bureau de la juge avec son avocate, mais il n'a pas eu le droit de parler. C'était assez drôle. Désormais, Jérémy Bansté aimerait que son personnage devienne plus sombre, afin de pouvoir tourner plus souvent avec sa femme, en travaillant tous les deux sur le même programme. Si est-il bizarre de ne pas travailler ensemble au bout d'un moment. La balle est dans le camp des auteurs. Love.